Concentré à nouveau. La voici, la voilà, elle s'appelle Céline. Bonjour Céline. T'es relou quand t'es concentré par contre. Salut Céline. Bonjour à toi Céline, évidemment, bienvenue sur la radio en direct, la radio Fun Radio, la radio où tout est possible. Non, Céline, sans vanne, t'as inventé un super truc avec Julien, ton mari, et justement après votre mariage, c'est une application qui s'appelle Mariez-vous et qui a l'air géniale. Exactement. Est-ce que tu peux la présenter aux auditeurs de Fun Radio, s'il te plaît? Oui, ben déjà merci à vous de nous donner l'opportunité de présenter Mariez-vous. Donc Mariez-vous, c'est l'appli qui va aider les couples. En fait, ça va permettre l'achat-revente de tous les articles de la journée du mariage entre ouais. fiancés et mariés. Et en même temps, on propose aussi un super annuaire de prestataires passionnés et engagés. C'est un super quoi de prestataire, t'as dit? Un annuaire de prestataires. Tu vois, tu vas pouvoir trouver ouais, voilà, ça. Ton DJ, ton lieu de réception, ta décoratrice, tes fleurs, voilà, ouais. tout. Et qui sont engagés, passionnés. Donc, c'est uniquement des petits prestataires, des créateurs, des entrepreneurs que nous, on sélectionne avec soin. D'accord. Pour permettre aux futurs mariés d'avoir un mariage de qualité et réussi, parce que c'est quand même la plus belle journée de la vie de couple. Normalement, oui. Ouais. Après, il ouais. y a aussi quand tu vas faire les courses chez Auchan et qu'il y a moins 50% sur la ouais. Non, mais sans vanne, on parle de ça, parce qu'en ce moment, c'est les soldes. C'est ça que j'avais oublié, ça. Moi, je passe ouais. tout le temps au travers des soldes. On lutte vachement à fond contre ça, ouais. Contre les soldes qui juste sont là pour t'encourager à acheter des trucs dont t'as pas besoin. Évidemment, la surconsommation. Voilà. Il y a ça à Noël aussi avec tu aimes ton enfant, mais prouve-le, achète-lui plein de jouets, sinon c'est-à-dire que tu l'aimes pas. Pareil. Et puis il y a la Saint-Valentin, tous ces trucs qui te ouais. disent consomme. Dès qu'il y a des sentiments, en fait, ils en profitent. Ouais. Hein. Nous, on est juste des produits, les gars. On est des chèvres, hein, enfin, ou des moutons, peu importe, ou des brebis. Enfin, bon, bref, vous avez compris l'image. De toute façon, on est là pour se faire tirer par les pieds tout le temps. Et autant j'aime bien me faire titiller les tétons, autant ça a ses limites. Et le mariage, évidemment qu'on te prend par les sentiments, on te ouais. vend des films, des trucs et tout. Et si on te dit, attends, tu veux que ton mariage soit réussi ouais. En fait, tu fais pas ton mariage pour toi, mon grand. Non, tu fais le mariage pour en foutre plein les yeux aux autres. Vas-y, montre que putain, c'est un super endroit, que t'as fait un super banquet, j'allais dire. Enfin, on n'est pas dans l'Astérix, mais un buffet, quoi. Un buffet, etc. Ouais. Et donc, tu vas acheter plein de trucs, tu vas consommer, et puis des trucs qui ensuite derrière seront foutus à la poubelle ou stockés, c'est trop con. Désolé, ma phrase a été longue, mais j'avais envie de le dire. Oui, Anso. Oui, parce que Céline, moi j'aimerais que tu nous dises, donne-nous des exemples de ce qu'on peut par exemple se donner et s'échanger sur ton application. Est-ce que ça va de la robe de mariée au costume, à vaisselle, aux chaises, j'en sais rien. Alors c'est vraiment tous les articles, donc ça va de la petite décoration en centre de table, urne, jusqu'à un petit peu plus gros, le mobilier, ça peut être des arches de cérémonie qu'on crée pour une journée et qui après ne servent plus, jusqu'à la tenue du jour J et accessoires, donc des robes de mariée, des peignes cheveux, des chaussures, voilà, c'est vraiment très complet. Au final, ces objets et ces vêtements, on les utilise qu'une journée. Comme tu dis, Vaché, c'est aussi le mariage, on peut surconsommer. Et c'est des objets qui sont tout neufs. Donc soit, on va un petit peu donner aux invités, mais bon, généralement, on a quand même beaucoup de choses, on ne peut pas tout leur donner. Ouais. Bah oui. Donc que faire? Nous, c'est ce qui nous est arrivé après notre mariage. Que faire de tous ces objets dans tous les cartons? Donc on avait stocké chez nous et chez nos parents. Et à un moment donné, bah oui, il fallait revendre, sauf qu'il n'y avait pas d'espace, de plateforme bienveillante entre fiancés et mariés pour se revendre ces objets qui sont tout neufs. Hein. C'est de la seconde main, mais encore une fois. C'est aussi, oui, c'est pas parce que ça a servi un jour que c'est de la vraie occasion. Quoi. Ouais. À moins que la mariée vraiment ait une espèce de gastro. Enfin bon, bref, on va peut-être pas rentrer dans les détails. Et on me dit que c'est trop tard, je suis désolé, donc du coup, je vais parler d'autre chose. Ce qui est sûr, c'est que les mentalités aussi doivent changer, Céline. Et en fait, les mentalités vont changer aussi grâce à ce genre d'applications qui sont créées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu mets de l'occasion dans ton mariage, une fois de plus, t'as l'impression que ton mariage, il est moins clinquant, que c'est pas bien. Attention, je fais une généralité. Il y a plein de gens qui sont pas là-dedans. Mais la grande majorité, on va pas se mentir, ouais. Moi le premier, je me disais, ah ouais, quand même, faut ça. Jamais j'aurais pensé, je me suis marié il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, il y a combien de temps? Quand même, hein. C'est il y a 6 ans. Enfin... Ah oui, je me suis attention, marié. Hein. Ouais, ça fait 6 ans, ça va faire 6 ans cette année là. Et en fait, à l'époque, bon, j'étais pas du tout dans les préoccupations environnementales ou quoi que ce soit, mais si pour d'autres raisons on m'avait proposé de louer une robe de mariée pour ma femme ou moi louer mon costume, je me serais dit ah non, ça se fait pas quand même, c'est un mariage. Mais c'est con ces blocages qu'on peut avoir. Ouais, ouais, c'est vrai. Tout à fait. Et en fait, la seconde main va pouvoir même te permettre d'avoir peut-être plus de décoration, une robe de mariée de créateurs abordables. Donc la seconde main, ça fait faire des économies, mais ça te permet aussi d'avoir
plus de choses et de jolies choses. Bah ouais, ouais, bien sûr. Ce qui est juste chiant, c'est avec le maître de cérémonie de seconde main qui est encore bourré de la veille. C'est un peu compliqué. Non, alors témoins. Ça, tu n'auras pas sur notre application parce que nous, tous nos prestataires, c'est des super prestataires qui justement ont à cœur, ils sont passionnés et ils ont à cœur d'offrir un savoir-faire français, de la qualité aux futurs mariés. Et c'est très important pour nous. On veut remettre aussi l'humain au centre des échanges. C'était un petit peu perdu ces dernières années. Ah bah, ça, et sûr. On est sur une nouvelle ère des mariages. On le recherche encore, hein, parfois, l'humain. Bah oui, non, mais surtout, en plus, dans des trucs comme ça, où t'es speed, il y a plein de prestataires, c'est du travail à la chaîne. C'est, tu vas te marier, félicitations, vas-y, signe là, machin. Les chouquettes, oui, c'est froid, bah ta gueule. Et non. Les chouquettes, non, non, il faut avoir... Oui, bon, tu vois ce que je veux dire, trop froid. C'est vraiment pas bon l'exemple. Non, écoute, là, parce qu'on est en train de partir dans tous les sens comme des enfants dissipés. En tout cas, c'est hyper intéressant ce que tu fais, hyper important. On partage tout de suite l'application, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont avoir envie d'utiliser l'application Mariez-vous, qu'on partage tout de suite sur la page Instagram de l'émission. Et c'était un plaisir de parler avec toi. Merci beaucoup, Céline. Eh ben, merci beaucoup. Et donc, avec Mariez-vous, dites oui au mariage, non gaspillage. Bah, je suis d'accord. Trop bien. Enfin, trop bien. On Céline, t'embrasse, Céline. En deux mots, parce que là, ça, la pub, elle démarre là, dans 10 secondes. Est-ce que ton mariage à toi, il était réussi? En deux mots. Extraordinaire. Nos invités nous ont dit que c'était le plus beau des mariages auxquels ils avaient assisté. Ah ben, c'est là que je vois qu'on n'est pas pareil. Moi, à 20h12, ils baillaient déjà. Oh non. Chacun sa vie. Allez, bisous Céline. Bisous Céline. Au revoir à tous. Salut. Merci beaucoup. On revient après la pause avec le Anso Excited et puis Frédéric qui va nous parler du collectif Homo d'honneur. À tout de suite. Janvier.